Introduction et navigation. Bienvenue dans le manuel vidéo du nouveau Chronos. En 2011, Korg a présenté la plus puissante workstation jamais conçue, le Chronos. Il n'existait rien d'autre avec une telle puissance de créativité et de performance à l'intérieur d'un seul instrument de musique. Ce nouveau Chronos va encore plus loin en ajoutant plus de fonctionnalités intuitives et de sons incroyables. Dans cette vidéo d'une heure, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de votre Chronos. Il y a beaucoup à faire, donc chaque exercice sera bref, mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Pour plus d'informations, les manuels PDF sur le disque accessoire fourni avec votre instrument vous aideront à approfondir davantage. De plus, le système d'aide intégré vous offre une assistance immédiate. En appuyant sur ce bouton Help, vous avez accès à tous les manuels en version anglaise. Par exemple, pour accéder à des informations sur la page actuelle, appuyez, puis relâchez le bouton Help. Pour plus d'informations sur un des boutons, commutateur, curseur, etc., il suffit simplement de maintenir Help enfoncé, puis d'appuyer sur le bouton ou d'actionner le contrôleur en question. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de cette vidéo en faisant des pauses si nécessaire, puis de revenir plus tard à des chapitres spécifiques. Ne vous inquiétez pas si les programmes et les combinaisons de la vidéo sont différents de ceux de votre chronos. Cela n'affectera pas la vidéo. Bien, commençons. Le Chronos dispose de 7 modes. Le mode programme, où vous pouvez accéder aux sons individuels comme les pianos, les orgues, les synthés, etc. Le mode combinaison, où vous pouvez combiner jusqu'à 16 sons pour créer des partages de clavier, appelés split des superpositions de sons appelés layer. Le mode séquenceur pour l'enregistrement en MIDI et l'audio. La setlist où vous pouvez accéder à des programmes, combinaisons et chansons en un seul endroit. Le mode sampling pour créer vos propres échantillons, le mode disque pour sauvegarder et charger des données, et le mode global pour ajuster les paramètres qui affectent l'instrument dans son ensemble, par exemple la calibration de l'écran. En fait, nous pouvons commencer par ça. Touchez ici pour ouvrir la page menu. C'est comme un menu déroulant d'un ordinateur. Touchez touch panel calibration. Pour un meilleur résultat, utilisez un stylo et appuyez précisément au centre de chaque case de calibration. Touchez ici, ici, puis sur la touche « don. Vous pouvez accéder aux dix premiers éléments du page menu en appuyant sur « Enter » et en utilisant le pavé numérique. En appuyant sur « 3 », vous accédez à la calibration de l'écran « Touch Panel Calibration ». Le Chrono a un écran tactile basé sur l'interface graphique « Touch View ». Je vais utiliser le mode combinaison pour vous le montrer, mais les autres modes fonctionnent essentiellement de la même manière. Celle-ci est la première page du groupe de pages principales. Dans ce cas… Play. Ces onglets vous conduisent à d'autres pages de ce groupe. Cela, en bas, vous emmène à d'autres groupes de pages. Dans chaque groupe, vous trouverez des onglets vous permettant d'accéder à d'autres pages du même groupe. Le bouton Exit est très utile. En appuyant une fois, vous retournez à l'onglet sélectionné précédemment sur la page principale, une deuxième fois et vous allez au premier onglet de la page principale, une troisième fois et vous sélectionnez le paramètre principal de la première page, dans ce cas le nom de la combinaison. Ce bouton Pop-up ouvre une liste d'éléments à sélectionner. S'il y a une icône d'épingle, alors lorsque vous sélectionnez un élément, la fenêtre se referme. Si vous touchez l'épingle, alors la fenêtre est verrouillée jusqu'à ce que vous retouchiez l'épingle. Lorsque vous touchez un paramètre, le paramètre ou sa valeur sera en général mis en évidence. Ceci est appelé le Edit Cell ou la case de modification. Cette case peut être modifiée de plusieurs façons, en utilisant les contrôles de value, avec le pavé numérique, ou bien en touchant l'écran, puis en glissant le doigt vers le haut et vers le bas, parfois à gauche et à droite. Les curseurs et les boutons peuvent être ajustés de la même manière, y compris en utilisant le pavé numérique et les contrôleurs Value. Parfois, vous trouverez aussi des cases à cocher. Touchez la case pour la sélectionner, puis retouchez pour la désélectionner. Ces pages de catégories vous permettent de sélectionner des programmes et des combinaisons par catégorie. Nous allons examiner ça dans le chapitre Programmes, Combinaisons et cette liste. Parfois, vous trouverez aussi des boîtes de dialogue. Par exemple, lorsque je choisis de sauvegarder cette combinaison, ceci apparaît. En touchant le T, vous pouvez nommer la combinaison. En touchant OK, vous confirmez le texte. Si vous touchez encore OK, vous sauvegardez la combinaison. En touchant Cancel ou Exit, vous annulez l'opération de sauvegarde. À gauche de l'écran, vous trouverez la surface de contrôle du Chronos. Ces boutons, CTRL-Assign, sélectionnent ce que la surface contrôle. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Timbre-Track, ces 8 curseurs ajustent les niveaux des 8 premiers sons ou timbres de cette combinaison. En appuyant sur Timbre-Track encore, vous contrôlez les volumes des sons 9 à 16. Maintenant, je vais contrôler ce qui est branché aux entrées audio situées au dos du Chronos. L'onglet Control Surface affiche l'assignation de chaque curseur, commutateur et bouton. Le bouton External vous permet d'utiliser le MIDI pour contrôler des appareils externes. Maintenant, les boutons contrôlent les sons en temps réel, Real Time Control, et les commutateurs et les curseurs contrôlent le karma. Des ajustements de Control Assign et Control Surface peuvent être effectués aussi en utilisant l'écran. Le bouton Tone Adjust contrôle des paramètres individuels des sons, aussi bien que l'égalisation, dans cette liste EQ. Nous allons voir tout ça dans les chapitres correspondants. Ce chronos est réglé pour se désactiver s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Par exemple, si vous ne touchez pas l'écran ou les contrôles en façade, si vous ne jouez pas de notes, ou n'envoyez pas et ne recevez pas de données MIDI, etc. Ce réglage se trouve dans le mode global, Page Menu, Auto Power Offsetting. Avant de passer au chapitre suivant, je vais éteindre puis rallumer le Chronos. Attendez environ 10 secondes avant de le rallumer. Le démarrage du Chronos prend environ une minute et demie, un peu comme un ordinateur. Ceci est tout à fait normal car il lance l'Operating System et charge les fichiers nécessaires. Et il y a des gigaoctets d'échantillons.